l'application des gestes barrières, qui protège autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous devons tous collectivement continuer à tenir ensemble dans cette situation, à maintenir un respect évidemment des règles qui ont été fixées, des gestes barrières. Des gestes barrières. C'est ça. 3500 personnes déchaînées sur une piste aux allures de boîte de nuit géante. Sermamani s'est transformé en temple de l'électro le temps d'une soirée, comme les Eurocaines n'en avaient plus connu depuis longtemps. Ça fait plaisir. Pour cette résidence secondaire, version hiver, les Eurocs ont fait le pari d'investir un lieu inédit, où il a fallu tout imaginer en moins de 2 mois. C'est vrai que les sorties de secours, enfin vous voyez, ça pose beaucoup de défis techniques, mais je crois qu'après on le prend vraiment comme une sorte, non pas d'exercice, mais vraiment comme un vrai défi. Pas de quoi refroidir l'ambiance, en tout cas, ni les artistes qui se sont succédés sur la grande scène. Salut c'est Cool, Backer Matt, Paloma Colombe, ou encore le DJ Bob Sinclair, tête d'affiche de la soirée. Et bon, c'est un peu le parrain de cette première soirée, et on est vraiment ravis de l'accueillir pour la première fois à Belfort. Pour les plus courageux, le dance floor s'est terminé au bout de la nuit. Une bonne piqûre de rappel avant le retour des vrais Eurocs cet été.